Salut à toi, c'est Morton Maguet, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La réaction à la seconde affiche de Lamb, la affiche finale. Donc voilà, je voulais y réagir avec vous. Je l'ai pas sous les yeux, mais... Enfin si, je l'ai sous les yeux, mais je vais la mettre sur mon téléphone pour que vous puissiez la voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, voici la nouvelle affiche de Lemb. Attendez. Voilà. Je vais faire un truc encore mieux, vous allez voir. Comme ça, vous la verrez encore mieux. C'est l'affiche finale française. On avait déjà réagi à l'affiche Taser française. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un décor vert, plus en journée, avec un peu de brouillard. On voit Maria, le personnage de Noomira Pace, qui tient Ada, l'agneau, dans les mains. Moi, j'ai déjà vu Lemb. Je l'ai vu en avant-première, critique disponible sur la chaîne. Normalement, vous verrez la critique en écran de fin à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire en écran de fin, elle y sera. Donc voilà. C'est le meilleur film de l'année, le deuxième meilleur film de tous les temps. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sans spoiler? Bah, je pense que Maria, elle est dans ses pensées, là. Elle pense à quelque chose. Elle réfléchit. Elle regrette, peut-être. Je crois pas qu'elle regrette dans le film, en tout cas, pas pendant les trois quarts. Mais je sais pas, elle a l'air de regretter. Elle est pensive, elle regrette. Je sais pas. Il y a la petite Ada, qui quand elle est petite, personnellement, je la trouve très mignonne, la Ada. Ah, donc attendez, Ada, voilà. Très jolie, cette petite. Un petit pull. Un petit pull fait main, j'imagine. De la part de Maria. Un petit pull fait main. Les lettres de Lemb. Voilà, c'est un film de Valdimar Johansson. Festival de Cannes, prix de l'originalité. Dans la catégorie Un certain regard. Et la phrase accroche, c'est « La nature vous réserve une dernière surprise ». Donc il y a de la brume, il y a un petit ciel islandais. Et alors, qu'est-ce que c'est la phrase accroche de la part de The Jokers? Un conte de Noël islandais qui va vous laisser bouche bée. Avec une image d'agneau. Une image de bouc. Non, je sais pas comment on dit. De grand agneau. De mouton, voilà, mouton. Je cherchais. Voici l'affiche finale de Lemb, le premier film audacieux et étonnant de Valdimar Johansson avec Noomira Pace. Rendez-vous la semaine prochaine pour la bande-annonce finale. Si c'est la bande-annonce américaine qui avait juste été traduite en français, on n'y réagira pas. Sinon, on y réagira. Alors, dans les commentaires, il y a Cinéma Taser qui a cité le tweet en mettant Lemb le 29 décembre au cinéma. Et il y en a un qui a mis un truc avec... qui a mis l'emoji ange. Il n'y a aucune réponse, il y a eu 13 retweets. Voilà. Je vais voir sur Instagram s'il y a quelque chose qui a été noté. Moi, personnellement, je l'ai mis dans ma story. Voilà. Je l'ai mis dans ma story, personnellement, en mettant le meilleur film de l'année. Il y a un commentaire de Kiroa083. J'ai très envie de le découvrir, celui-ci. Esprit Z, mon youtubeur préféré, à liker. Voilà. Moi, j'ai adoré Lemb. Voilà, il y a une critique dispo sur la chaîne. Bah, cette petite affiche, je trouve que l'ancienne, il y avait plus de trucs à dire. Il est né le divin enfant. L'ancienne, il y avait plus de trucs à dire, mais et on a réagi à la première affiche aussi. Je pense que la prochaine fois qu'on réagira à une affiche, ce sera sans doute l'affiche d'Inexorable, que je ne verrai peut-être pas au cinéma. Soit l'affiche d'Inexorable, soit l'affiche de Ego. S'ils sortent l'affiche finale. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo.